Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo parce qu'on a gentiment été invité à The Forest, qui est une maison qui se trouve dans le trou du cul du monde, en dehors de Bruxelles. On est isolé de tout et on a décidé qu'on allait vous filmer ces petites 24 heures qu'on va passer ici. Ça va être top. Ça va être... Là, on n'est pas à Bruxelles, non. Donc, on va vous montrer à quoi ressemble The Forest. Comment faire si vous voulez venir, enfin bref. Allez à Stanley House, on rappelle, sur Instagram. Ouais. Et donc, on espère que ça va vous plaire et que notre premier vlog avant le Sri Lanka vous plaira. Ça fait depuis 4-5 heures qu'on est là. N'importe quoi. Ça fait 3 heures. Ouais, ça fait 3 heures. 3 heures et demie qu'on est là. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris un bon bain. Mm-hmm. On vous montrera sûrement, mais il y a une belle baie vitrée devant le bain, sur la nature, ce qui est plutôt pas mal. Trop beau. On a profité de la vue parce que c'est tellement beau. Là, on est dans le canapé. Puis en face de nous, il y a la serviette de Gabriel, mais il y a aussi une vue splendide. Trop. Ouais, et Gabriel a pris son bain là-bas. Voilà, et là on attend Jérôme, le propriétaire de la maison, qui nous apporte à manger. J'ai trop la dalle. Moi aussi. On lui dit pas, mais on attend. Non, en vrai, il apporte l'apéro et une bonne petite pinch. Peut-être des sushis, peut-être une bonne viande. Peut-être quoi d'autre? Je sais pas. Des crêpes. Des crêpes? Ouais. Chocolat. Très sympa. Et voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Génial! On attend à manger. C'est plutôt luxueux même, hein. Bah ouais. Petite bière de beer storming au grand frère Comans. Et des big up à Jérôme pour ce qu'il a fait. Regardez, attendez, je vais faire un vrai truc. Regardez ma main par rapport au plateau. Thank you.
Oh putain. Tiny Hawk, c'était dans la tête de Tiny. Tiny. Ma vache, je suis fatigué. Non, je t'avais dit d'essayer de pas faire dans l'arc avec tes bras. Mais ça flotte. Gab, on fait du kayak. Vous aurez sûrement vu la connerie de Gabriel tout à l'heure qui a ouvert le champagne en faisant tomber le bouchon dans l'eau. Donc on se retrouve sur le kayak alors que c'était pas prévu pour aller chercher le petit bouchon. Non, votre côté, votre côté. Ouais, attends, je vais le choper. Il est là. Petit bouchon. Sur le magnifique lac ou l'étang de la Tornhouse, on vient de trouver un système pour attacher les pagaies, ce qui est plutôt pas mal que les airfields. Et c'est plus évident dans l'autre sens. C'est trop beau derrière toi. Petit demi-tour. Petit demi-tour des familles. Hop. Ce côté. Hop. Tu nous conduis où? Je sais pas. Tout va bien? Oui. Ça tourne. C'est reposant, c'est relaxant. C'est reposant. T'es bien de Québec, toi, là? Je fais une petite année à Montréal, là. C'est trop beau. Ouais. T'es heureuse? Oui. Prenez-en de la graine. Si vous voulez rendre une fille heureuse, c'est ici, là-dedans, avec ça et ça. Waouh, la lumière. T'es fort. Gabriel, il fait tout seul ce que je suis en train de filmer. T'es bon, Gabriel, t'es dommage bon. Dommage qu'il n'y a pas un double, tu vois, que je puisse pas faire comme ça, parce que là, je te mets de l'eau partout sous ta veste. C'est pas grave. On va aller voir maintenant si on n'a pas un petit déj. Et on va vous montrer si il est bien. La vue, parce que
que depuis la chambre, il y a une vue incroyable. Les yeux pour ça. Sur du forest, ouais, c'est ça. Les yeux. Mais enfin, c'est trop agréable, c'est trop paisible. On vous le souhaite. Ouais. On est ici. Fin 11h30, c'est ça? Ouais.